dure de supporter les murs d'une pièce sans vie. Agenouillé au pied de son lit, un homme brille. Sa maison est vide, les volets entrouverts. Dire qu'avant ça, c'était un univers de lumière. Il préfère l'obscurité, si sans sécurité. Depuis que l'être cher un matin s'est envolé. La haine dans les veines réclame justice pour ce drame. Rongé par la peine, il repense à sa femme. Avant ce maudit lit d'hôpital, les traitements médicaux. Leur vie était banale, parfaite, sans accroc. Était-ce trop demandé que de vivre heureux? Il ne peut oublier ces lieux jadis merveilleux. Au creux de sa main, il tient leur dernière photo. Le lendemain, elle eut cet accident de moto. Trop besoin urgent, transfusion de sang. Son mari confiant dans le couloir l'attendait patiemment. Un an après, bon abusé, phase terminale. Ils auraient dû la sauver. C'est ce sang qui lui fut fatal. Quand l'État m'a fait ça, c'est dit l'homme en question. Quand l'État m'a fait ça, et personne en prison. Quand l'État m'a fait ça, y'a plus qu'une solution. Non. Tous les matins, les mêmes gestes, des photos, tout ce qui reste. Son domicile, il quitte plein de chagrin, l'âme sous la veste. Y'a 17 esprits, aujourd'hui comme hier, il s'y rend. Revanche, il en a l'envie, mais pas le courage suffisant. Son entourage de père, il dit faut quelqu'un paye pour ce que j'endure. Il est devenu sauvage, c'est pire, hier c'était pas sa nature. Sa voiture, un mausolée de coupure, de presse comme mode play de meurtre, les structures hein. Manque plus qu'il reste aux douleurs, le dépancheur pour qu'il déverse son flot d'haine. La vague couleur vive sang, pourquoi pas, mérite-t-il la sienne? La scène, il revoit l'avocat, la salle remplie, des millions en participent. Contre un accusé, l'hypocrisie. Combien sont-ils celles et ceux les complices du crime accompli? On sait que la médecine est une firme et qu'à l'état la santé c'est de l'économie. Il est nommé X, dépuni, y'en a pour ainsi dire jamais. Se déchire son cocon de momie, ce soir il a dit arrêt. Marre des plaquettes et thérapies pour oublier l'échographie post-mortem. Ce soir il est sorti avec sa peine en tandem. Sans lui avoir dit, elle devenait mère. Papa, l'état m'a fait ça, il a trop entendu, il va le faire. Quand l'état m'a fait ça, c'est dit l'homme en question. Quand l'état m'a fait ça, et personne en prison. Quand l'état m'a fait ça, y'a plus qu'une solution. Non. Quand l'état m'a fait ça, c'est dit l'homme en question. Quand l'état m'a fait ça, et personne en prison. Quand l'état m'a fait ça, y'a plus qu'une solution. Le fusil en canon. Même la justice fait naître des tueurs en série. Notable, intouchable, par la fenêtre, faute de chef de parti. Il tire sur les plus en blanc avec en prime les patrons de clinique. Méthodiquement du plus au corps médical, il ôte la vie. Vite on le recherche, tu parles, lui vide ses chargeurs. Sa batterie pas triple gratifie d'une avance sur les enquêteurs. Il a des surnoms, on a même dit en nombre. Pourtant, il n'est pas plus qu'un an, juste son ombre. Dans le miroir, il réfléchit, y'a plus qu'un refoulement. Sa femme sur la table de nuit, dans le tiroir, un test en guise d'enfant. Là, elle a une au moins, elles en reparleront. Combien de reportages, prise d'otages, sa vengeance dans les mains. Soudain, c'est le dérapage, lui qu'on abat comme une bête. En gros titre, t'es sauvé. Mais d'autres prendront la suite si personne n'est jugé. Quand l'État m'a fait ça, 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 c'est dit l'homme en question. Quand l'État m'a fait ça, et personne en prison. Quand l'État m'a fait ça, y'a plus qu'une solution. Non, non. Dépêche de dernière minute, dans l'affaire de la prise d'otage de l'ex-premier ministre, nous apprenons à l'instant que le JPN serait intervenu. Au cours de l'opération, le forcené aurait été abattu et toujours selon ces informations, monsieur aurait été retrouvé sain et sauf par les policiers.